Dimanche noir à Atécoubé, le 11 juin 2023, 5 personnes d'une même famille sont mortes dans un éboulement provoqué par les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Abidjan. Rodrigue, un rescapé, reste choqué de la scène qu'il a vécue. Moi, je me sens triste, parce que c'est mon voisin, on était tous ensemble ici, on faisait tout, en tout cas... Je n'ai même pas un mot à dire parce que quand tu vis à quelqu'un, c'est comme c'est tes parents. Vous faites tout, un coup comme ça, ils s'en vont sans lui revoir. Par la garde de Dieu, nous sommes qui sont restés. Je dis merci à Dieu seulement parce que c'est Dieu seul qui peut nous sauver. C'est Dieu seul qui nous a sauvés. Alerté par la situation, le ministre Boaké Fofana s'est rendu sur le lieu pour apporter compassion du gouvernement. Il a demandé aux personnes encore présentes de quitter le site immédiatement. Ce qu'on vous demande, au moins traiter de chez vous, allez vous réfugier. Si vous trouvez même une église, une mosquée, une école, vous allez là-bas le temps que la pluie cesse. Parce que même s'il pleut aujourd'hui, ceux qui sont en haut là, ça va descendre. C'est ce que le gouvernement essaie de vous faire comprendre. 6 personnes, dont 2 enfants, sont mortes dans un éboulement le 16 juin 2022 dans la commune d'Atécoubé à la suite de fortes pluies sur Abidjan.